Bien, ben, bonjour, je m'appelle Henri. Je vous ai présenté le trombone récemment. Souvent dans les écoles de musique, le professeur de trombone joue du trombone et aussi de l'euphonium. Maintenant, il y a énormément de grands élèves, de très bons musiciens à l'euphonium. Donc il y a des fois des postes d'enseignants à l'euphonium et au tuba. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc l'euphonium, le baryton, un petit peu les familles des basses. Donc vous avez ici ce qu'on appelle une petite basse. Voilà, il y a plein de tuyaux. En fait, c'est l'instrument qui fait le grave dans l'orchestre. Voilà. Il est utilisé dans toutes les orchestres d'harmonie, les fanfares, les bandas, pareil, les orchestres de rue. C'est un instrument qui est très recherché. Il y a après encore un instrument beaucoup plus gros qui sera le tuba. Je n'en ai pas là. Et le sous-bassophone aussi, tout ça, ce sont des instruments donc toujours de la famille des cuivres et qui font partie de toute la section des basses de l'orchestre. Il y a aussi un autre instrument qui s'appelle le ténorhorn, qui sert plutôt dans les fanfares allemandes, bavaroises. Alors celui-ci a des palettes, contrairement à l'autre qui a des pistons. Et il existe maintenant des tout petits instruments qu'on appelle les petits. C'est un baryton, ou avant on l'appelait aussi la pitchotte. Mais ce sont des instruments qui sont très très bien faits, qui sont pour les enfants. Vous voyez donc la différence entre une basse, voilà, et le petit baryton avec lequel je vous ai joué quelques morceaux tout à l'heure. Voilà, donc c'est un instrument de cuivre, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'embouchure pour faire un son. Voilà, c'est pas la peine de jouer fort, de souffler fort. Il suffit de souffler très. Faire vibrer les lèvres, ça se fait tout seul. C'est un instrument qui ne demande pas beaucoup d'énergie, contrairement à ce qu'on puisse penser. C'est aussi bien pratiqué par les garçons que par les filles. Et on peut commencer aussi à 7 ans, à partir de 7 ans, quand on commence à savoir lire un petit peu. Voilà, les pistons servent à changer la hauteur du son. Donc celui-ci va baisser d'un demi-ton. Celui-ci d'un ton. Celui-ci d'un ton et demi. Et on combine le mélange de tous ces pistons. Alors c'est un petit peu des maths, mais c'est comme ça qu'on apprend le doigté. Avec ces trois pistons, on peut faire toutes les notes. Et bien tous ces instruments-là, vous pouvez venir, vu qu'il n'y a pas de porte ouverte à l'école de musique de Châteaulin cette année, comme partout ailleurs, je pense, vous avez l'occasion de les voir par vidéo. J'aurai le plaisir de vous accueillir pour les faire essayer à la rentrée et éventuellement vous inscrire à l'école de musique et faire un petit peu de musique ensemble. Je vous remercie et puis à très bientôt. Ça, c'est un très bel instrument. Merci, au revoir. Oh,